Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, welcome and bienvenue. My name is Chase Robinson, and as president of the Graduate Center of the great city, University of New York, I have the enormous privilege of welcoming you and opening today's program. President Macron is on his way, but we'll get started, and in a few minutes he'll be arriving, and I'll make a few introductions at that moment as well. But let's get a start on our wonderful event. Now, today is an extraordinary day for the students, the faculty, and the staff, for all of us here at the Graduate Center and at CUNY. Joining us are representatives from our city and our state governments, as well as trustees and distinguished leaders of the City University of New York. CUNY, as some of you will know, is the nation's largest public urban university. It is a remarkable project in democratic education and a hub of fundamental and applied research. Some 274,000 students, hailing from over 190 countries, are enrolled at our 24 campuses. 52% of those students come from households with annual incomes of less than $30,000 a year. 42% of our students are the first in their families to attend college. 45% of our students, and this is especially relevant, speak a native language other than English. As our name implies, we at the Graduate Center, we focus on graduate education, especially at the master's and the doctoral levels. In the scale and the quality of our programs and research, we're national leaders, and we're especially proud to rank among the country's top 10 institutions in awarding doctorates to students from underrepresented minority groups. Our impact is wide and our impact is deep. Every year, our doctoral students teach over 200,000 CUNY undergraduates, bringing the research that's conducted here at 365 Fifth Avenue, as well as at the Advanced Science Research Center, to every borough in the city. Nous donnons la possibilité à tous de choisir leur avenir. Not my words, but those of President Macron yesterday at the UN. Our students and our faculty are renowned scholars, researchers, and artists. They've garnered the Nobel Prize, the Pulitzer Prize, Guggenheim. I could go on for the bulk of the afternoon. What matters is this. Among our many areas of strength is bilingual education. Students and faculty in our programs in French, and our program in Hispanic and Luso-Brazilian literatures and languages, they carry out leading research that contextualizes language, language use, and literatures within their cultural, their political, economic, and social settings. Of course, among them is our esteemed colleague, Professor Ophelia Garcia. In our program in urban education, faculty and students explore the use of multiple languages in teaching an increasingly diverse population of K through 12 students. All their work and the work of the countless alumni in both inside and outside of the academy, it's all animated by a deep commitment to public education and the public good. Little wonder then that when our colleagues at the French Embassy were considering venues for today's announcement, they chose the Graduate Center. Now indulge me when I also say that today's event resonates for me personally. I was very fortunate to grow up hearing my grandparents speaking Ukrainian to each other, to grow up watching my mother, a public high school French teacher, prepare her classes. A year that I spent in Brittany at the age of 16 ultimately was the inspiration for an academic career that's been devoted to the study of languages and cultures of the Middle East. Addressing the vexing questions of our time, inequality, poverty, racism, discrimination, all of these demand a culturally fluent,
global citizenry. I applaud, as I'm sure you do too, President Macron for making today's announcement a cornerstone of his inaugural visit to New York, and I'm grateful for the recognition of the role that the Graduate Center has and will continue to play in advancing the goals of the fund. For more than a decade, the French Embassy has been fostering the development of French dual language programs in public schools across the country. And as you know, these programs have gained particular momentum in New York City. Faced with a growing demand for dual language education and limited public funding to satisfy the demand, the French Embassy and its institutional partners have designed a fund to support current programs and to create new ones. Today, we are gathered to celebrate the launch of that fund. So, it's a pleasure to introduce a short film about the fund and how it will support existing French dual language programs and immersion programs and catalyze new ones nationwide over the next 5 years. Thank you very much and enjoy. Over the last 10 years, we've witnessed a real development of bilingual programs all over the United States. They are happening in public schools. They are open to everybody, and we want as many kids as possible to speak English and French and become, therefore, better citizens of the world. It all started in 1974 in Maryland, and it expanded rapidly all around the country. The three main hubs are Louisiana, Utah, and New York. But we find programs in many other states. And what is really fascinating is the variety of models and the fact that students of all backgrounds thrive in these programs. We believe that language is a tool to unite people and for our students to understand multiple perspectives so that they can solve world problems. The more I heard what was going to happen in the school and the commitment of administration, the engagement of the French Embassy and the vision, I felt excited and I felt that it would be a right fit for my child. My parents, ils sont tous des anglophones. Ma famille, mes grands-parents, ils ne parlaient pas de français. On a vraiment l'impression d'être sur un phénomène, un mouvement qui entraîne pas seulement les familles expatriées, mais également les familles américaines. Tu regardes pour le travail, tu écris qu'est-ce que tu peux faire, et je peux écrire que moi je parle deux langues. On the one hand, we want to support the schools that have already opened dual language programs. So every year we'll launch a call for proposal and we'll support the school by giving grants up to $10,000 for them to buy books or to train their teachers or administrator or to have assistance. On the other hand, we want to train new teachers, so we'll give scholarships for students to get a master's degree in bilingual education, because very often schools don't open a program because they don't have enough teachers. Up to now, we've seen a very positive answer to this initiative. We need to support public schools to offer this opportunity of being bilingual to more and more children.
It is a great pleasure on my behalf to welcome, ladies and gentlemen, Hello, good afternoon. I'm Bénédicte de Montlaur, and I'm the cultural counselor of the French Embassy. And it's a great honor to have, of course, our president to launch our bilingual fund to support the public system all over the US and to have more and more American and French kids all around this country speaking both languages. So we'll have two groups of students performing today, two groups of students from the schools that we are currently supporting. So you will hear at the end, for the president, students from PS 58 singing both our national anthems, the French one and the American one. PS 58 was the first schools 10 years ago to open a bilingual program. They started with 24 kids, and now there are 1,500 in this city. But now, but let's begin first with a newcomer in our network of bilingual schools. It's another school in Brooklyn. It's the School for International Studies. And the kids are going to perform a play that won the biggest award last year at the Lycée Français Festival of Theatre. And it's a very important one because you will see that they not only learn two languages, but also they are more aware of the issues of today. So please welcome the students.
Why did I have to be the next person at the microphone? Good afternoon. I'm Bill Thompson, chairperson of the Board of Trustees of the City University of New York. I'd like to thank Chase Robinson for hosting this event and for his outstanding leadership of the CUNY Graduate Center. On behalf of the governor of the state of New York, Andrew Cuomo, and the 19.75 million New Yorkers, it's my pleasure to introduce the President of the Republic of France, Emmanuel Macron. I join my fellow trustees, as well as our chancellor, J.B. Milliken, our faculty, staff, and over a half a million students to welcome you to the great state of New York and the City University of New York. I understand this is your first visit to New York. And I can't think of a better way to experience the energy, the diversity, and tenacity of New York than by visiting the nation's largest public urban university. Our student body hails from over 200 countries, with 168 languages spoken, and this diversity has propelled generations of students to reach their aspirations and play an essential role in advancing the city, state, and our nation's prosperity. In this global city, being bilingual is vital to creating new opportunities for our students, for growing our economies, and for strengthening our competitiveness in the world. With nearly 3,000 French companies in the United States generating nearly $2 billion economic engine in sectors as diverse as advanced technologies, medicine, finance, defense, tourism, and publishing, being multilingual offers a decisive advantage in accessing the opportunities that a globalized economy will provide. That is why President Macron's dual language fund initiative will benefit our CUNY community. The President, like our governor, our board of trustees, some of whom are here, and our chancellor at CUNY, are strongly committed to making these opportunities a possibility through bilingual education and the dual language fund. It's an exciting partnership, and I'm pleased and honored to be a part
of these incredible efforts. It is now my pleasure to bring before you the President of France, President Emmanuel Macron. Thank you very much. Thank you so much. I'm very happy and honored to be here with you. And thanks very much for welcoming and hosting us here in this place. And I have to say, it's my very first time as a president of France in New York, but happily, it's not my very first time as a human being in your city. And I have some memories of my past life. I try. Je vais peut-être parler en français, à la fois parce que c'est ce qui est attendu du président de la République de la France, et aussi parce que je crois que peut-être ici et sur ce sujet plus qu'ailleurs, il est impérieux de voyager entre les deux langues. C'est difficile de commencer un discours après ce qu'on vient de voir. Alors, je vais vous dire peut-être ce que ça m'a inspiré de manière très directe. C'est un peu tout ce que vous essayez de faire, tout ce que nous essayons de faire, et qui fait que le multilinguisme n'est pas remplaçable. D'abord parce que l'essentiel de la pièce n'avait pas de mots. Mais surtout parce que ce que ces jeunes adolescents nous ont montré, c'est un sujet qui parcourt d'autres horizons linguistiques que celui que des jeunes devraient connaître à New York City. Ça n'est pas votre quotidien à vous ici, totalement. Ça l'a été par le passé, mais ces vagues migratoires, ce que j'ai cru comprendre de ce que nous venons de voir, qui est l'une de nos hontes contemporaines, la mort en Afrique et dans la Méditerranée, c'est un sujet éminemment européen. C'est un sujet dont on parle normalement en langue italienne, française, allemande. Ce que je veux dire par là, c'est que de jeunes gens devant nous, avec beaucoup de sensibilité, nous aient interpellés sur ce sujet parce qu'il est universel et l'est fait dans nos deux langues. Cela illustre combien, derrière la langue, il y a les consciences. Et se battre pour que des enfants puissent être éduqués, apprendre, évoluer dans la vie avec plusieurs langues à leur actif, c'est leur permettre de rentrer dans plusieurs univers imaginaires, dans plusieurs consciences, dans plusieurs défis. C'est d'embrasser dans un même lieu plusieurs géographies. Si le cosmopolitisme a un sens, il passe par le multilinguisme. Il ne passe pas par la domination d'une langue sur les autres, qui en quelque sorte finit par réduire tous les imaginaires à un seul imaginaire, mais bien par ses passages, ses traductions, ses voyages d'un imaginaire à l'autre, d'une langue à l'autre, d'un intraduisible à l'autre. Je dis tout cela parce que la bataille que vous menez et qui fait que, avec le ministre de l'Éducation nationale, nous tenions à être à vos côtés cet après-midi, elle est essentielle à plus d'un titre. L'idée que nous nous battions pour que nos enfants puissent ici apprendre, et partout aux États-Unis apprendre, dans la langue de Shakespeare et dans la langue de Molière en même temps, c'est leur permettre non seulement d'être demain des femmes et des hommes qui seront plus efficaces dans leur métier, qui auront justement la possibilité de travailler dans plusieurs géographies. C'est créer de la productivité, comme on dirait affreusement, pour nos économies. Mais c'est forger des consciences. C'est leur permettre de construire leur propre émancipation. C'est leur permettre de ne pas être enfermés simplement à l'endroit où ils habitent.
c'est leur permettre d'avoir accès à autre chose que une seule langue ne permet pas de toucher. Et je crois que ça n'est remplaçable par rien. Par aucune Assemblée générale des Nations Unies, par aucune réunion de leaders, quelle qu'elle soit, c'est donner la possibilité aux citoyens d'être eux-mêmes ces passerelles, de traduire d'une langue à l'autre, d'évoluer dans un univers, un imaginaire à l'autre. Et je crois qu'ils nous l'ont montré formidablement. Alors, je voulais être là parce que je crois très profondément que cette initiative que vous avez conduite et que nous lançons ici auprès de vous et que nous lançons avec vous, avec le rôle essentiel de l'ambassade de France, de son partenaire historique, la FAES Foundation, dont l'objectif est de soutenir justement les écoles publiques américaines qui mettent en place ces filières, c'est de donner un cadre, de donner corps à cette ambition. Et cela participe d'une bataille que je compte bien mener, au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui plus largement. La bataille pour l'éducation, l'apprentissage des langues et tout ce que je viens rapidement d'évoquer, c'est ce que nous avons fait ce matin en lançant justement une initiative avec le président du Sénégal pour d'ici début 2018 pouvoir lever 3 milliards sur 3 ans pour l'éducation grâce à la mobilisation des États et justement pouvoir reconstituer le programme mondial pour l'éducation avec une composante essentielle que seront les langues et l'apprentissage des langues. Parce que ce que je viens d'évoquer, c'est un défi à New York, c'est un défi dans toutes les États-Unis, c'est un défi en Europe, où le bilinguisme et le multilinguisme doivent continuer à être développés. Mais c'est aussi un défi formidable pour toutes les terres abandonnées, tous les pays en voie de développement, les pays les plus pauvres. Là où la bataille pour l'éducation et l'apprentissage des langues est une bataille contre l'obscurantisme, contre ceux qui sèment les ferments du terrorisme, de la religion la plus radicale et qui conduisent aux migrations. La langue, c'est notre partage de civilisation. Et donc, dans toutes les actions que nous menons, c'est un peu de cela que nous emportons. Alors, l'éducation bilingue française est aujourd'hui portée par un élan et un enthousiasme considérable aux États-Unis, dont je me félicite, avec plus de 150 écoles publiques dans 27 États, 88 villes, avec plus de 45 établissements homologués. Plus de 29 000 élèves bénéficient à New York de cet enseignement, mais aussi en Utah, en Louisiane, à Los Angeles, à Miami. Tout ça, ce sont les éléments factuels qu'on met normalement dans les discours d'un président de la République pour dire que c'est très important et que ça marche déjà très bien. Mais c'est vrai. C'est pour ça que je l'ai dit. Mais ce que vous avez entrepris de faire, c'est d'aller beaucoup plus loin. Avec le Fonds pour l'enseignement bilingue que nous inaugurons aujourd'hui, c'est cette volonté d'accompagner l'élan à travers tout le pays, avec pour objectif d'aider les programmes existants à grandir, mais aussi d'en ouvrir de nouveaux. Et pour cela, concrètement, ce fonds donne priorité à la formation des enseignants et des administrateurs. Il encourage la conception et la diffusion de ressources pédagogiques innovantes. Il aide au recrutement d'assistants de langue française dans les classes. Alors, je veux remercier non seulement la City University of New York de nous accueillir aujourd'hui et représentant du gouverneur pour ces mots, mais je veux aussi remercier très chaleureusement les donateurs, passés et à venir. La Fondation Chanel, la Fondation Gould, M. Bruno Bic, M. Hubert Joly, Best Buy et AXA, avec leurs dons généreux et les nombreux parents qui ont aussi contribué à ce fonds. Grâce à vous, nous nous dotons des moyens de lancer des premières actions et, je l'espère, d'encourager de nouveaux soutiens pour de nouvelles initiatives. Je suis éminemment convaincu que, par ce biais-là, ce sont non seulement de nouveaux enfants dans toutes les classes et de toutes les catégories qui seront touchés, mais c'est cette ambition que j'évoquais tout à l'heure qui sera portée concrètement, et chacun y mettant sa pierre, parce que rien n'est innocent dans cette aventure. Ce que vous entreprenez aujourd'hui, nous ferons tout pour l'aider et l'encourager. Pas seulement par notre présence,
par l'action quotidienne de l'ambassadeur, de nos députés qui, auprès de vous, continueront à œuvrer, mais aussi en mettant à disposition, et c'est ce à quoi est attaché le ministre de l'Éducation nationale, tous les ponts possibles entre les enseignements. Parce qu'on n'enseigne pas simplement une langue différente, on enseigne différemment dans une autre langue. Et il est important aussi que, à travers l'action de ce fonds, des échanges pédagogiques puissent se nouer, des échanges qui toucheront aussi nos élèves, que des méthodes d'enseignement puissent être échangées, et que ce que le ministre est en train de faire en France, qui est de refonder non seulement profondément notre école, mais la manière d'enseigner aux enseignants, puisse également irriguer votre initiative. Je crois que ce que vous faites, ce que vous avez décidé de faire, est très important. Et je voulais vous remercier pour cette œuvre de civilisation dans laquelle vous avez décidé de vous investir. Chacune et chacun d'entre vous, je reconnais certains visages, avait cette part de responsabilité, comme parent, comme donateur, comme artiste, parce que vous êtes des ponts entre nos univers. Et à certains moments où d'aucuns voudraient nous éloigner, où parfois des phrases abruptes ou des postures donneraient le sentiment que, en tout cas, la France et les États-Unis pourraient s'éloigner, ce sont ces petits ponts humains qui nous sauvent. Je ne sais pas ce que réservera... Je ne sais pas ce que nous réserverons les prochaines décennies, mais je sais juste une chose. Plus il y aura d'élèves en France qui auront appris à parler l'anglais et qui seront échangés avec un Américain, plus il y aura d'élèves américains qui sauront parler le français, qui auront été émus par une œuvre française, qui auront aimé un acteur, une actrice française, un chanteur, une chanteuse française pour ses chansons, qui auront partagé un peu de nos univers culturels, nos imaginaires. Ceux-là pourront nous sauver du pire. Parce que dans les moments les plus graves, dans ces moments où on peut tout oublier, où tout peut basculer, ils se souviendront de ces petits détails qui font la vie. Et je vais vous livrer une anecdote qui m'a toujours profondément marqué quant au rapport aux langues. J'ai eu la chance extrême de servir comme assistant d'un très grand philosophe qui était Paul Ricoeur. Il était orphelin, il avait perdu un de ses parents pendant la Première Guerre mondiale, puis rapidement l'autre, mais il avait appris l'allemand. Et il a ensuite été enfermé pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant plusieurs années dans un camp. Quand il était dans ce camp, il a appris la philosophie à d'autres détenus. Mais il a fait une chose que cette pièce me faisait remémorer par contiguïté. Il avait un seul livre, qui était un livre d'Husserl. Et pendant ses années de captivité, il a traduit dans la marge le livre d'Husserl. Et en 1947, la première traduction en langue française d'Edmond Husserl, était signé par Paul Ricoeur. Et parce qu'il avait toutes les raisons de détester les Allemands, mais que quelques maîtres lui avaient appris la langue allemande, et avec elle la civilisation allemande, il ne s'était pas laissé enfermer dans ce qui aurait pu diviser. Alors, je ne sais pas ce que les prochaines décennies nous réserveront, mais je sais que par ce fond, vous apprendrez à des tas d'enfants, une langue qui est le lien le plus intime, le plus fort qui puisse exister, et que des milliers de kilomètres ne peuvent abolir. Et que les pires vicissitudes de l'histoire, parce que nous ne savons jamais, ne pourront jamais abolir. Et donc, en faisant cela, vous faites œuvre de civilisation. Merci infiniment, et nous serons à vos côtés, non seulement pour ce fonds, mais pour tout le reste. Merci à vous. Merci à vous. Mais les enfants, merci beaucoup.
va bien? Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va? Bonjour. Serre les mains. Regarde. Bonjour, mademoiselle. Ça va? Tu vas bien? Bonjour. Ça va, mademoiselle? Tu vas bien? Bonjour. Oh là là, tout en rouge. Bravo, hein. C'est super ce que vous avez fait. C'était très émouvant. Comment ça va? I go with that?